Première séance à La Rochelle, au Sunny Side of the Dock, qui fête sa 30e édition. Et en marge de ce salon professionnel réservé donc aux documentaires, il y a Pixie, un événement créé en 2017 et qui ne cesse de grandir ici à La Rochelle. Bonjour Stéphane Malagnac, vous faites partie de l'organisation. Alors là, juste derrière nous, une voiture avec de jeunes enfants qui essaient de conduire en réalité virtuelle. C'est ça, Pixie, il y en a partout. Ouais, plein de choses à voir. Pixie, l'idée, c'est de réellement pouvoir accéder à de l'innovation technologique, mais de façon ludique et quand même avec un fond de pédagogie. Donc, utiliser de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, du son spatialisé, des installations comme cette voiture derrière nous, d'avoir à la fois du ludique et en même temps de mieux comprendre notre monde. Et c'est pour ça que ça fonctionne aussi bien en synergie avec Sunny Side of the Dock. En fait. C'est quand l'image rencontre l'innovation, deux cultures, culture de la création et culture digitale. Exactement, avec en plus cette année un accent plus important mis sur la médiation culturelle, c'est-à-dire comment les établissements comme les musées, les châteaux ou les structures de tourisme utilisent ce type de production, de contenu pour élargir l'audience, la rajeunir, parce qu'on sait que parfois les enfants, les musées, c'est pas toujours une bonne équation. Là, avec des tablettes, on peut visiter des salles de châteaux qui ne sont pas accessibles ou des reconstitutions de pièces. Et c'est pour moi la bonne synthèse entre l'amusement et l'instruction. D'accord. Alors, on est venu vous voir l'an dernier ici. Pixie, à l'époque, c'était 300 mètres carrés. Vous êtes passé à 900 mètres carrés. C'est dire le carton de l'événement quand même. Alors, il y a eu deux phénomènes convergents, c'est-à-dire qu'on a à la fois le grand public avec lesquels on a eu vraiment un retour extrêmement positif parce que justement, il y a une grande diversité parce que comme il y a beaucoup de choses, on n'a pas l'impression de faire la queue, justement, comme parfois dans certains musées ou dans certaines attractions type Futuroscope qui sont au demeurant très bien. Et puis, l'autre point, c'était les professionnels qui de plus en plus s'intéressent à la question. Et donc, cette convergence d'envie a fait que, encore une fois, Sunnyside et Pixie grossissent. Parce que c'est finalement aujourd'hui indissociable, on ne peut pas passer à côté de l'innovation et de tout ce que nous permet l'image, les innovations dans l'image. Bien sûr, l'innovation elle est partout, il faut juste la mettre en exergue, qu'elle ne soit pas le moteur de la création, c'est toujours la création artistique, les hommes, les femmes qui créent, mais par ce biais d'innovation, on élargit le champ des possibles, des applications, des usages et donc des publics. Parce qu'en plus, il y a cette notion aussi pédagogique, informative, qu'on cherche à travers le documentaire. Tout à fait. C'est aussi le thème de cette année pour Sunny Side of the Dock, avec Stand Up for Science. C'est véritablement de se dire que les contenus scientifiques ont, dans une époque où on est abreuvé de fake news, de théories complotistes, la science, le documentaire scientifique est là pour contrebalancer et donner la vérité. Et cette vérité, elle peut aussi passer par l'innovation. Et puis donc c'est un salon qui, contrairement à Sunnyside, ici c'est ouvert au grand public l'après-midi. Exactement, c'est aussi un cadeau que l'on souhaitait faire à Sunnyside of the Dock, qui est un marché professionnel, qui est bien appréhendé par le territoire, mais qui reste très éloigné parce que professionnel. Là, on offre au public de la région néo-aquitain véritablement un lieu de un nouveau parc de jeux, quoi, tout simplement. Allons visiter. Eh bien, allons-y. Alors Cyril Fauché, vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de La Rochelle et vous proposez ici à Pixie aujourd'hui un moyen pour les enfants de s'amuser dans les musées. Tout à fait. Donc on propose ce qu'on a appelé une mallette pédagogique numérique, donc qui va être basée sur un jeu, donc sur tablette. Les enfants vont en fait être par équipe de 4 à 5 et vont chercher à résoudre une énigme. Donc ça, c'est un projet qui a été créé pour un lieu spécifique? Alors, c'est un projet qui a été créé pour un lieu spécifique, qui est le musée d'Angoulême. Mais l'idée, c'est de pouvoir le répliquer dans d'autres musées. Avec toujours les mêmes histoires ou à chaque fois vous adaptez au musée? Avec la même histoire, c'est-à-dire avec le même principe. Scénario, le même principe. Mais derrière, on va l'adapter bien sûr aux collections des musées, puisqu'on ne peut pas parler des fossiles dans tous les musées de Nouvelle-Aquitaine. D'accord. Est-ce que c'est un projet qui en est où là en fait? Vous êtes... Alors c'est un projet qu'on a débuté il y a un peu plus de 18 mois. On a pu le tester à deux reprises donc au musée d'Angoulême, avec une première version, une seconde version. Et maintenant justement on arrive dans la phase où on va vouloir
faire en sorte de pouvoir le déployer dans d'autres musées. Alors quel est juste l'accueil de ce projet? Les enfants sont plutôt très sont ravis. Voilà. Donc c'est des enfants de CM1, CM2, 6e qui sont plutôt notre cœur de cyble. Et voilà, ils sont en attente, je dirais, de challenge, de pouvoir devenir peut-être les méchants dans l'histoire. Donc il y a plein de développement du scénario de base actuellement qu'on aimerait poursuivre. Fabienne Say, vous êtes chercheur associé à l'École nationale des arts décoratifs de Paris. Là, vous nous proposez une expérience incroyable où se mêlent l'art et l'innovation. Alors, il s'agit d'une expérience qui s'appelle Theme Cloud. Le projet, en fait, sur cette expérience est parti du fait que en tant qu'artiste, on a tous énormément d'images de référence qui nous servent à réfléchir sur les œuvres qu'on veut créer. Ce sont des mood boards. Et autrefois, c'est vrai qu'on avait quand même plutôt des images papier, des bouquins, des choses tactiles, beaucoup plus sensitives, qui nous permettaient de les organiser, de les apposer les unes à côté des autres, de voir apparaître des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Aussi souvent, quand on commence à créer quelque chose, on ne sait pas ce qu'on veut faire. Donc c'est plutôt comme ça, on commence à sentir des choses et petit à petit on arrive à construire une œuvre, une réflexion. Et aujourd'hui évidemment on a de plus en plus d'images, on n'en a jamais eu autant dans nos ordinateurs. Parfois c'est pas dans les ordinateurs, c'est dans le cloud, c'est encore pire parce que c'est angoissant. On a l'impression qu'on les a plus, qu'on les possède plus. Et aller les consulter, c'est impossible de consulter énormément d'images en même temps sur un écran. Si on les consulte, c'est soit par titre de fichier, soit par petite vignette, ou alors par mots-clés. Mais par mots-clés, c'est terrible parce qu'au lieu d'élargir notre réflexion, ça nous emmène plutôt dans un entonnoir. Il n'y a plus de sérendipité non plus. Alors que parfois, et c'est vrai que c'est vraiment des choses inattendues, hein, le nombre d'œuvres d'art qui sont des accidents, en fait, ça arrive tout le temps. Et on s'est donc posé la question de comment pouvoir fabriquer une expérience qui nous permette de retrouver cette sensitivité, en fait, et ce rapport presque charnel, en fait, à nos images, à nos références. Et donc voilà, donc Theme Cloud, en fait, c'est quand vous rentrez dans l'espace, vous avez un nuage d'images. On voulait que ce soit comme un banc de poissons ou un vol d'oiseaux. Donc vous avez un nuage qui se promène devant vous, un peu au lointain, et vous pouvez interagir avec de plusieurs manières. Vous pouvez lui parler, donc l'appeler en lui disant de venir vers vous. Une fois qu'il est près de vous, vous pouvez rentrer complètement dans le nuage, brasser les images, en sélectionner certaines. Vous pouvez aussi lui demander au nuage de s'organiser par date ou par couleur. On a un petit mode loop où on peut les regarder en gros plan, lire les cartels. Pour l'instant, on a implémenté des choses très simples, hein, date et nom de l'artiste, date de création, date de naissance et de mort de l'artiste. Mais on pourrait mettre beaucoup plus. C'est vrai qu'on a vraiment cette sensation à la Minority Report de pouvoir comme ça faire intervenir, déplacer les images. Et c'est extrêmement précis, souple, malléable. On déplace et on se promène. Bon, là, c'est en plus cette expérience-là précisément assez merveilleuse. Et en plus, vous pouvez sélectionner des petits paquets d'images, les mettre de côté. L'idée, c'est vraiment de pouvoir sélectionner, organiser, mémoriser. C'est-à-dire que là, on vous présente vraiment. C'est un prototype de laboratoire, c'est même pas encore au niveau d'une POC en fait. Mais c'est-à-dire que là, s'il y a des tableaux qui m'intéressent, je peux les mettre de côté prochaine fois. Ça fait partie des choses qu'on voudrait faire. Par exemple, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir les sélectionner, avoir un espace de travail où vous pouvez enlever celles qui ne vous plaisent pas, les organiser et après peut-être éventuellement les mettre dans un espace où vous pouvez les mémoriser. Des placards, soit où on pensait travailler sur la base de l'Ars Memoriae. C'est-à-dire peut-être que chaque personne a un espace un peu intime qui est un lieu qu'il connaît bien et aller les poser là où il veut dans l'espace de sorte qu'il va extrêmement bien mémoriser où elle se trouve.
Voilà, et puis et après, bon, il y a plein d'autres fonctionnalités qu'on souhaite implémenter. L'art soit le vecteur comme ça de ce type d'innovation, puisque finalement, ça va peut-être demain servir dans des archives, dans des journaux, etc. Mais que ça vienne par l'art. Oui, absolument. On ne s'attend pas forcément. Oui, non, c'est vrai. Après, c'est vrai que ce sont des outils qui demandent, comme on ne sait pas très bien depuis 4-5 ans, comment les utiliser, qu'est-ce qu'on fait avec. C'est vrai que souvent, moi j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'artistes vidéo qui étaient beaucoup plus à l'aise, qui avaient su s'en emparer tout de suite en faisant des choses qui ne seraient pas forcément codées. Mais est-ce que c'est par la sensibilité, en fait, comme on peut avoir une sensibilité artistique, on arrive justement à créer ces sensations, ces atmosphères-là? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, le fait qu'on se retrouve dans des espaces fait que notre cerveau ne gère pas du tout de la même manière, en fait, ces images-là, enfin ces espaces, par rapport à des images en 2D. On est dans un espace, donc on est dans un environnement qui reproduit un peu ce qu'on peut vivre dans l'espace physique, avec l'aspect réflexe. Et puis la proprioception est extrêmement importante, le sens du mouvement, le déplacement, enfin voilà, ça fait appel à beaucoup de sens. Donc c'est pour ça aussi qu'on a cette sensation d'être très présent dans l'espace. Après voilà, c'est aussi ça, c'est le sens de la présence qui est assez troublant, en fait, et d'autant plus qu'on agit avec un environnement qui nous répond. Donc c'est, même si à un moment on essaye d'être rationnel, on se dit bon, je suis dans un environnement virtuel, mais il y a quand même encore l'espace physique autour de moi. Mais c'est troublant quand même qu'un espace nous réponde. Emmanuel Lejeune, vous êtes chef de projet chez Timescope. Vous êtes basé à Paris. Et alors là, vous nous proposez justement, bon là, c'est pas Paris actuellement, mais il y a notamment un Paris du Moyen-Âge. Tout à fait. Donc on découvre ainsi, grâce à vos outils, différentes villes de France. Mais en remontant le temps. Exactement. En fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a conçu une machine à voyager dans le temps qui permet de s'immerger en fait dans le passé d'un lieu et de le découvrir tel qu'il était à 360 degrés. Donc l'objectif, c'est de raconter le patrimoine d'un monument ou d'un lieu, d'une ville ou même d'un département et d'une région, et de mettre en valeur en fait ces différents sites. D'accord. Alors, vous êtes qui, Timescope ? Alors Timescope, on est une start-up qui a 4 ans désormais et qui est spécialisée à la fois dans la conception de films en réalité virtuelle et à la fois dans la fabrication d'une borne de réalité virtuelle qui fonctionne en libre service dans l'espace public. Alors comment vous est venue cette idée de remonter le temps ? Alors c'est une idée qui vient des deux cofondateurs de Timescope, qui sont deux amis d'enfance et qui sont des passionnés de voyage et qui ont eu l'envie de découvrir en fait un lieu, non pas entouré de touristes et sur un site où il y a du mouvement, mais on n'arrive pas très bien à s'imaginer à quoi ça ressemblait à l'époque, mais de créer en fait, de s'immerger totalement à 360 degrés dans un film qui nous permet de visualiser et de vivre en fait comme si on y était un moment, une scène historique. Alors voilà, racontez-moi un petit peu ce qu'on peut voir. Alors nous, on a différentes expériences, donc c'est très varié, mais l'idée c'est que, par exemple pour Paris, vous pouvez découvrir Paris tel que c'était en 218, puis au Moyen-Âge, et en fait à différentes périodes dans le temps. Et vous pouvez voir en fait l'évolution de la ville, qui était d'abord Lutèce, donc toute petite, sur une rive, et puis qui s'est étendue de l'autre côté de la rive progressivement au fur et à mesure du temps, pour se construire et devenir la ville qu'on connaît aujourd'hui. Et donc on a différentes époques, on a différents sites sur lesquels on vient raconter l'histoire. Et notamment par exemple en Val-de-Loire, où en ce moment on célèbre les 500 ans de la Renaissance, on a plusieurs projets en cours pour raconter l'époque de François Ier, l'époque de Henri II, et on permet de revivre en fait des moments clés de ces deux rois. Alors, où est-ce qu'on a accès à ça ? Alors aujourd'hui, on en a une cinquantaine d'expériences un peu partout en France. Il y en a à Paris, il y en a à Lyon, il y en a à Arras, il y en a au Havre. Enfin voilà, on a énormément de sites différents. En Nouvelle-Aquitaine ? En Nouvelle-Aquitaine, on n'en a pas encore. Ah bah alors. Mais bientôt, j'espère. Mais alors, sur quel type de site on vous trouve ? C'est extrêmement varié. On a à la fois des expériences qui sont directement dans la rue, donc dans des villes comme le Havre ou Arras. On a des musées comme le musée d'Orsay ou le musée du Quai Branly. On a des sites particuliers comme les Galeries Lafayette, la Tour Montparnasse, le groupe Kering, sur lesquels on peut retrouver des expériences parce qu'en fait, ils ont
ils ont envie de valoriser leur patrimoine ou leur marque en racontant en fait leur histoire. Mais d'ailleurs, c'est vrai que la vidéo que j'ai vue juste avant sur Paris démarre depuis, on s'imagine qu'on est au niveau de la tour Montparnasse. C'est exactement ça. Vous avez une vision en fait plongeante sur Paris qui s'étale sous vos yeux. Ouais. Et vous pouvez, depuis cet endroit privilégié, découvrir en fait l'histoire de la ville. Alors comment est-ce qu'on raconte? Parce que c'est vrai que c'est l'histoire, mais ça, on ne rentre pas forcément vraiment dans les détails. C'est l'histoire de s'immerger, en fait, de s'imaginer mieux comment c'était. C'est ça. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que quand on était immergé à 360 degrés, en fait, ça s'imprimait beaucoup mieux dans la mémoire parce qu'on a l'impression d'avoir vécu ce moment. Et du coup, il y a un peu une dimension pédagogique qui accompagne nos films dans l'idée d'apprendre via des anecdotes et surtout par la vision, en fait, l'histoire et un moment clé en fait, historique d'un lieu ou d'un bâtiment. Est-ce que vous proposez aussi des moments clés justement de l'histoire des... Tout à fait. Ouais. Ouais. On a eu une borne, c'est notre toute première borne posée sur la place de la Bastille qui permettait de découvrir le 14 juillet 1789 et de voir ce à quoi ça ressemblait le jour J. Avant la prise de la Bastille. Et on remonte comme ça dans le temps à partir d'un point de vue qui est le même aujourd'hui. Donc ça permet de situer la prison par rapport à là où on est sur la place de la Bastille en 2019. Bon, on espère vous voir bientôt en Nouvelle-Aquitaine. Nous aussi. Merci. On voit l'intérieur de la bouche. On est à l'intérieur de la bouche. Et on voit la pomme. Et on voit les dents qui la mâchent. Mais après, il faut que j'aille par là pour voir l'étape d'après. T'avais pas envisagé que c'était comme ça à l'intérieur de la bouche, hein? Non, pas spécialement. Moi, j'ai fait un truc de réalité virtuelle, c'est dans le système digestif, et je trouve que vraiment, on est à l'intérieur, enfin, c'est super bien pour apprendre les différentes parties dans le corps, etc. Et sinon, la voiture, j'ai trouvé ça un peu moins bien, mais c'était pas mal, voilà. T'avais déjà vu des images comme ça, la réalité virtuelle, t'avais déjà testé? Oui, j'avais déjà testé, je crois que c'était à Angers et autre part, je sais plus. Et c'était un train et en gros c'était une attraction et il y avait plein de trucs un petit peu d'horreur et j'avais vraiment bien aimé. D'accord. On comprend mieux quand on apprend par exemple le tube digestif par ce biais-là, par les images comme ça? Bah, je trouve que moi, là, vraiment, j'ai beaucoup plus appris là qu'à l'école, enfin, là, qu'on explique juste avec un plan. Voilà. Là, c'est beaucoup mieux, en plus, c'est avec un casque de réalité virtuelle. Enfin, c'est beaucoup mieux, je trouve. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette voiture? Là, je suis en train de conduire. Et voilà. Ok, donc tu te retrouves là sur un circuit, sur l'autoroute, qu'est-ce qui se passe? Là, je crois qu'il faut que je mette ce petit truc. Alors, ça fait comment de conduire? C'est la première fois? Oui. Alors, ça fait quoi? Ça marche bien? Est-ce que tu t'y crois? Non, pas vraiment. Ah bon, pourquoi? Parce que des fois, ça bug un peu. Au Salon Pixie, il y a le festival, mais il y a aussi le marché. Alors Geneviève Roy, vous êtes directrice de production, vous venez carrément du Québec, ici à La Rochelle. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a été invité par Sunnyside pour faire rayonner nos producteurs en expérience numérique. Je travaille pour XN Québec, l'association des producteurs d'expérience numérique. Et on a près de 135 membres producteurs en expérience numérique, que ce soit toute la créativité culturel, numérique, pour des parcours qui peuvent proposer des expériences immersives, interactives, des installations extérieures et tout. Alors ici, vous espérez rencontrer qui? Des producteurs de contenu, des musées, par exemple, qui auraient intérêt à faire des expériences immersives, donc de créer le pont pour des co-créations, pour aussi les finir à venir à Montréal, pas Montréal, au Québec, pour notre forum culture numérique XM, pour voir comment on peut vraiment bien faire de la coproduction. Au Québec, il y a vraiment une dynamique très, très forte autour de ces productions-là. Oui, il y a un écosystème très, très fort au Québec. Ça fait plus de 10 ans qu'il y a beaucoup d'innovation qui se fait. Donc, on a vraiment une expertise en créativité numérique. Alors, on veut la faire valoir, en faire profiter, puis la faire sortir des frontières. Ça se fait déjà beaucoup, et puis on veut juste la pousser.
Donc ici, vous avez déjà calé plusieurs rendez-vous sur ces 4 jours de salon pour essayer de mettre en avant donc, les producteurs, les productions. Oui, oui, beaucoup. Il faut les cibler parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens, donc beaucoup de musées. Aussi, il y a des producteurs canadiens, québécois avec qui on renforce des relations. Donc, je pense qu'il fallait être présent. Il faut être présent à Pixie pour après les inviter chez nous. C'est un endroit incontournable, finalement, là, ce salon qui est international, le Sunnyside et Pixie. Bien, nous, on prend vraiment notre place dans le Pixie Market parce qu'on est vraiment des créateurs, des producteurs numériques. C'est-à-dire qu'avant, vous n'alliez pas au Sunnyside? Non. D'accord. Donc, sans la présence de Pixie Market, on ne serait pas présent cette année. Quelle est la place que vont prendre ces images, ces nouvelles images dans la vie des gens, c'est-à-dire est-ce qu'on va aller au cinéma différemment, est-ce qu'on va regarder la télé différemment chez soi? Mais nous, on est vraiment dans l'expérience numérique, donc oui, on va aller au musée et vivre une expérience immersive. Donc, je crois qu'un contenu standard va vraiment interpeller les gens différemment, avec une profondeur différente, parce qu'elle va être immersive, elle va être interactive. Donc, elle va, oui, toucher des gens différemment. C'est ça, parce que alors, on parle d'immersion tout le temps, mais finalement, pourquoi? Bien, parce que je pense que c'est entre de vivre l'expérience, c'est mieux la comprendre, et puis vivre quelque chose, c'est mieux que d'être un témoin. Donc là, on est un acteur de l'expérience, alors on va plus loin. Vers où on se dirige, vous savez ça, les futures images? Là, on voit évidemment beaucoup de réalité virtuelle, beaucoup... Vers quoi on se dirige, vous savez? C'est une bonne question. Je crois que justement, chaque projet, on découvre des nouvelles manières de faire. Au Québec, on a eu, par exemple, dans les espaces publics, du cirque qu'on pouvait télécommander à partir de nos téléphones. Alors vraiment, de l'interaction avec les artistes de cirque. Ah bon? C'est quand la foule devient cirque. Donc, c'est-à-dire qu'on peut... Avec nos téléphones, oui, décider un peu ce que les artistes de cirque allaient faire en prestation live dans un festival. Donc, on a vraiment une interaction intéressante. Donc, on n'est plus juste spectateur, mais on contribue à l'expérience. Donc, c'était nouveau. Ça n'existait pas. Et puis, maintenant, ça existe. Alors, je pense qu'on va aller encore plus loin. Tout est à dessiner. Merci beaucoup. Les images du futur, c'est donc ici, au Salon Pixie de La Rochelle.